Cette exposition est exceptionnelle parce qu'il n'y a pas eu d'exposition Valoton depuis très longtemps à Paris et que par ailleurs, nous avons obtenu pour cette manifestation des prêts venant de collections suisses qui sont absolument fantastiques, qui permettent de voir des œuvres qu'on ne voit jamais. Cette exposition, d'abord, c'est un parti pris sur l'œuvre de Valoton que résume le titre « Le feu sous la glace ». Et nous avons trouvé que c'était vraiment, ça collait parfaitement à notre propos. Cet art en apparence assez froid, très corseté, derrière lequel on perçoit une passion extrêmement vive qui était toujours retenue, mais qui n'en bouillait pas moins à l'intérieur de lui. Alors ce tableau est important parce que c'est le premier tableau de paysage fait par Valoton en 1909, après qu'il ait cessé de peindre du paysage entre 1906 et 1909. C'est un prêt aussi quand même exceptionnel et qui représente un paysage, mais un paysage un peu fantasmatique qui nous plonge dans le mystère des symbolistes de la fin du 19e siècle et également qui annonce le surréalisme et ses apparitions fantasmatiques dans le paysage, mais aussi tout d'un coup dans la vie réelle ou dans le quotidien. Alors moi j'avais envie de vous amener vers ce tableau qui a des couleurs très chaleureuses et qui représente un intérieur avec un couple. Ce couple, on ne le voit pas bien, il est dans l'ombre, mais finalement il n'est qu'un sujet à l'intérieur d'autres sujets. Bien au centre, le buste de Valoton lui-même posé sur la cheminée, venant un petit peu nous mettre en garde contre la situation. Derrière cette statue, on voit un tableau de Vuillard que Valoton venait d'avoir, qui représente une scène autour de l'adultère. Donc le sujet est expliqué, mais il n'est pas, cette explication ne se fait pas dans la lourdeur ni dans la pesanteur. Et de toute façon, tout ce qui se passe aussi en deux dimensions, dans un espace complètement vertigineux, qui nous explique bien que Valoton nous raconte aussi une histoire qui se passe dans sa tête. C'est tellement graphique, la découpe du corps sur ces fonds qui ont des couleurs incroyablement vives et contrastées. La profondeur est à peine indiquée par une paroi un peu plus foncée de violet et il y a une menace terrible qui remonte depuis la droite, ce voile noir qui s'insinue entre ses jambes et c'est tout craché Valoton. Il y a toujours une interprétation au second degré et c'est ce que cet artiste provoque le spectateur à faire. Il est maticien. Il est extraordinaire, ce tableau. C'est magnifique. Extraordinaire. Il est vibrant. Valoton a dit, il faut toujours savoir dire du neuf sur un même sujet. Il ne s'est jamais satisfait de succès. Il a continué à chercher de nouvelles choses.